faire une petite vidéo aujourd'hui, Hall. Eh oui, j'ai encore craqué. J'avais dit dans une précédente vidéo, je rachète plus de blocs de actions. J'en ai trop. Eh ben, cet après-midi, avec mon fils, il n'avait pas collège, on était allé chercher des petits t-shirts qui fait encore super chaud. Et il n'en avait plus à sa taille. Et puis pour le collège, faut il faut qu'il soit bien sapé, sapé comme jamais. Donc, j'ai trouvé des blocs de Noël. Alors là, j'ai totalement craqué. Ah, ils étaient trop beaux. J'ai pas eu le temps de bien les dépotasser. Alors, c'est parti, on va faire ça ensemble. Alors, il y a celui-ci là. Est-ce qu'il a un nom? Santa Claus. Donc voilà le Père Noël. Elles sont dans les tons un peu vintage, un peu ceci, je dirais. Alors là, il y a plein de petits sapins, deux petits Pères Noël. Trop chouette, les tons. Il y a des tons de Noël. Là, c'est des petits villages avec des petits canasses, non, des sucres d'orge, cherche mes mots. Alors, celle-ci, c'est des petits sapins, des petites chaussettes, des petits cadeaux. Sympa. Alors, celle-ci, je trouve qu'il est trop beau. Alors là, trop, trop beau. Alors, c'est plein de petites choses à découper. Il y a plein de cannelle, de petits bonhommes, de Noël. Plein d'oranges. Le sucre d'orge, trop beau. Ça fait trop, trop Noël. Alors, c'est tout à découper. C'est des petites étiquettes à découper. Sympa. Bon, ceci, ça fait un peu éclairage de Noël. J'aime moins. Ceci, c'est des arbres coupés. Des petites branches, des petites branches d'arbres. Et celui-ci, il est sympa. Avec des petites rennes. Je ne sais pas si vous voyez. Des petites rennes. Il fait aussi la ture. Alors là, c'est les tons de parquet un peu. Bois. Là, c'est des oranges avec des pommes de pin. Des petites cônes de pommes de pin. Là, c'est plein de. Pour faire un calendrier de l'Avent, en fait. Donc, il y a tout jusqu'au 24. Voilà. À chaque fois dans les blocs, en fait, on peut faire un calendrier de l'Avent. Alors, celle-ci, elle me plaît trop. Ton bois de cannelle. Ah, elle est trop belle, cette page. Pas facile à scraper hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre la photo, mais bon, peut y arriver. Hein. Là, c'est du houx, des petites pommes de pin et des petites baies rouges, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Là, c'est des petites Annie étoilées. Là, c'est des étiquettes aussi. Pour mettre un journaling. Ah, celui-ci. Trop beau. Alors, là, celui-ci, très dur à scraper. Très belle page, mais alors, elle est tellement belle qu'on a envie de recouvrir rien, quoi. On a envie de la laisser telle que, quoi. Un petit chocolat chaud avec des guimauves, là. Là, c'est encore des morceaux de cannelle avec des oranges. Des petites branches de sapin. Là, ça, j'aime moins. Un peu tristounet, là. Mais sympa aussi. Hein. Là, trop beau, celle-ci. Trop beau. Pomme de pin avec un effet givré, un peu. Trop beau, trop beau. Là, c'est aussi... Là, c'est pour faire des étiquettes, en fait, cadeaux. On met le nom. Ça, c'est des étiquettes cadeaux. Là, c'est... Voilà, j'aime moins. Petit sapin. J'aime moins.
Et là, on retombe aussi cannelle, orange. Celle-ci aussi, elle est très... Elles sont bon, c'est vu comme page. C'est pas vu là non plus, mais... Le tristounet, celle-ci aussi. Là, le ton de bois, super. Donc voilà pour ce bloc Santa Claus. Ensuite, bah, j'en ai trouvé plein. Hein. Prenez quelque chose à boire, un petit cappuccino, un petit café, quelque chose. J'ai bien temps de faire un cappuccino là. Je suis gourmande. Alors, il y a celui-ci. Dans les tons de rose, vert, bleu. Alors, celui-ci, ça n'a pas tellement à voir avec Noël. Hein. C'est des licornes, des lamas et des dinosaures. Bon, en mode Noël. Et peut-être les dinosaures fêtent Noël. Hein. Il y a des cygnes aussi. Hein. Bon, ton de rose, là. Là, c'est que des petites chaussettes de Noël. Toutes les couleurs. Là, une page un peu plus sobre. Là, c'est pour faire un calendrier de l'Avent aussi. Un peu, je sais pas, Mexique. Mais là, le dinosaure, bon, on n'en trouve pas tous les jours à Noël, hein. Peut-être qu'au temps de la préhistoire, ils avaient des petits bonnets de Noël. Qui sait? Là, alors, c'est toujours les licornes, les cygnes et les dinosaures, là. Bon. Alors là, c'est cactus. Des cactus. Si on a une pénurie de sapins, on peut mettre un chapeau de Père Noël sur un cactus. Ma foi, c'est une idée comme une autre. Alors là, Happy Holiday, là. Bon, il y a un perroquet, là. Non, c'est pas un perroquet, c'est... comment ça s'appelle? Cette bestiole, la crête, là. Bon. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des inséparables, je sais plus comment c'est. Des perruches. Une perruche. Et un lama, un cochon. Ouais. Bon. Pas trop Noël, hein. Bon, ceci, moins fan de bloc, mais bon. Il y a des choses sympas, là, quand même. Hein. Ceci, là. Là, c'est joli. Il y a des choses qu'on prend et qu'on laisse. Il faut des goûts pour tout le monde. Hein. Là, c'est un peu mode pull de Noël. Là. Pull de Noël. Là aussi, un peu pull. Bon, là, on retombe, ça y est, dans les cochons et les dinosaures et les lamas et les licornes. Bon, là, c'est aussi un peu... On a un peu couture. Bon, là, on a quand même notre un Père Noël. Bon, il y a toujours le lama. Il y a un flamant rose. Bon, il est un peu bizarre, hein, ce bloc, quand même pas. Il n'y a pas que moi qui suis fofolle. Bon, ça. C'est un peu. Il y a du fog dedans, là, dans celui-ci. Bon, là, c'est vraiment très bleu. Il y a marqué. Celui-ci, il est pas mal, c'est marqué. Oh. Celui-ci, il est pas mal, mais c'est discret le oh, quand même. Là, ben, là, c'est bon. On est dans vraiment que des Pères Noël et des sapins. Voilà. Là, c'est aussi Noël, sapin. Il y a des petits nounours. Bon, ça va mieux, là. Parce que des lamas. Hein. Bon, là, ça, c'est un peu aussi couture Noël. Ah, notre fameux cochon avec des chaussures du Père Noël. Très joli. Voilà. Bon. Bon, celui-ci, on dira que, bon, il est un peu foufou. Alors, celui-ci qui est super chouette. Alors, Have yourself a merry little Christmas. Un happy new year. Bon. Alors, celui-ci,
C'est des tons de verre, c'est des petits feuillages. Là, c'est des patins à glace avec des sucettes et des petits sucres d'orge, des petits sapins. Celui-ci, ben, non, je sais pas trop ce que ça représente. La texture est un peu bizarre. Il est vraiment en tout en relief, pailleté là. Voilà, ça, c'est des petites pommes de pin. Le calendrier de l'Avent, super beau là. J'adore ces tons. Ce vert un peu vert anis. Ces tons de marron, marron clair. C'est très joli. Là, le ton de marron. Voilà. Tout simple. Là, celui-ci, avec des pendules. Des horloges, des petites lettres, des pommes de pin, des petites roses. Fait un peu shabby, un peu ceci. Là, celui-ci est un fogle avec des petits sapins pailletés. Là, c'est des oranges, des petites pommes de pin, des petits feuillages de sapin. Là, c'est trop beau. Alors là, celle-ci, j'adore. La petite biche, hein. Trop beau. Dans les tons comme ça. La petite cheminée aussi. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est ma soeur. Bon, t'attends, Nadine. J'arrive. Donc voilà. Alors là, c'est des petites reines du Père Noël. Ça. Là, c'est plein de petits petites découpes à faire. J'adore la petite cheminée. Le patin à glace. Les petits bonnets. Trop beau. Voilà. Là, c'est toujours aussi les mêmes petites découpes. Avec la petite biche. La petite cheminée. Avec le petit fauteuil à côté, trop beau. J'adore. Et là, on recommence les petites biches. Une page un peu, voilà, un peu vintage. Les petits sapins. Et là, ça, c'est aussi trop, trop beau. Cette petite biche, hein. Non, mais elle est trop belle. Là, j'adore ça. Là, découpé, là. Trop, trop beau. Avec le 25, il est trop beau. Donc voilà, celui-ci, j'adore. Celui-ci, c'est mon préféré, je crois. Alors, attendez, c'est pas fini. Un autre. Alors, celui-ci. Oh là, il est trop compliqué à lire. Hein. Il est où là? Moi, j'y arrive pas. Je sais pas ce que ça veut dire. It's a beginning to look a lot like Christmas. Eh ben, dites donc. C'est un titre à rallonge. Mais bon, c'est pas ce que ça veut dire. On va prendre Google Traduction. Hein. Bon, ça c'est avec des petites paillettes aussi. C'est des petites reines. Là, alors, c'est des petites bouteilles en fait. Chaque petite bouteille a un petit contenant avec des petites choses de Noël. Sympa. Sympa, sympa. Là, trop beau. Ah, celui-ci. Là, tout ça à découper, là. Regardez ces couleurs. Ah, mais j'adore. J'adore, 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 j'adore. Et ce bon Père Noël, là, il est une bonne petite bouille. Bon, là, c'est un peu rayé. Là, c'est des sapins sur fond rose. Là, c'est noir avec des petits flocons de neige. Tempête de neige, là. Là, c'est des Père Noël sympa. Si vous allez voir, plein de petits Père Noël avec des lunettes ou sans lunettes, tout à la barbiche. Là, c'est des bois de non, des feuillages aussi de sapin. Là, un ton rose gris, on voit pas trop là, c'est vraiment très rose pâle, ça passe mal. Là, un calendrier de l'Avent, alors trop sympa, trop beau, les couleurs aussi sublimes.
Sublimissime. J'ai de quoi faire pour faire un calendrier de l'Avent. Pour mon fils, j'en fais un nouveau tous les ans. Là, les idées vont fuser là. Là, c'est des petits paquets cadeaux. Là, c'est du foil avec des paillettes plutôt, non. Petite étoile. Petite étoile, petit flocon. Là encore des feuillages tons un peu sombres. Ah là, j'aime trop. Des petites tasses de chocolat chaud avec un bâton de sucre d'orge et un petit sapin dedans. Petit gâteau sapin. J'adore. Gourmand comme je suis. Voilà, c'est ton rose lumière de Noël. Là, sapin rose. Là, c'est des petites étiquettes comme dans l'autre pour faire des cadeaux personnalisés. Ton rose de petite branche de Noël. Là, c'est pas trop Noël, mais bon. Des petits pois rose et noir. Là, c'est des petits sapins avec des petits sucres d'orge. Sympa aussi. Là, c'est des petits sapins roses. Et un peu avec des paillettes, pailletées. Et voilà, on a fini pour celui-ci. On arrive dans un. C'est pas fini? Ah non, non, non. Moi qui disais que je ne veux plus prendre de blocs, eh ben, j'ai menti. Je me suis menti à moi-même. Celui-ci, dans les tons vraiment Noël. Donc. The best time of the years. L'accent so British. Donc les temps rouges. Là, ça fait un peu British. Couverture. Voilà. Là, les feuillages. Là aussi. Là, le calendrier de l'Avent. Dans les tons un peu traditionnels Noël. Tout en feuille aussi. Là, c'est des petites fleurs américaines là, de Noël. Je ne sais plus le nom. Des petits sucres d'orge, des pommes de pin, des petites branches. Là, on refait encore une couverture là, de un plaid. Là, les tons de vert. Encore les mêmes petites feuillages. Là, trop beau, ces étiquettes, trop belles. Fait trop Noël, traditionnel, là. Trop beau. Les couleurs des Noëls de mon enfance. Alors, encore une page rouge. Celle-ci, elle est magnifique. J'adore. Ah, trop belle. Celle-ci, ouf, j'adore. Bon là, encore une couverture hein, pour avoir chaud. Ça détend. Là, les petites découpes. J'aime trop ces petits flacons là, petits bocaux. Des petites voitures qui transportent des pommes de pin. Encore effet couverture. Un ton de rouge. Un ton de vert. Là, c'est des petites étiquettes à découper, trop belles. Trop belles. Bon, je vous lis pas tout, hein, vu mon accent d'anglais. Ton vert. Ton de vert, okay. Avec feuille. Là, ça fait un petit peu aussi couture, enfin, pull de Noël. Là, plein de petites découpes aussi sympatoches. Dans les tons aussi traditionnels. Donc voilà pour celui-ci, ton traditionnel. Et un autre encore, le dernier, ça y est. Alors, celui-ci, c'est dans les tons un peu de rose, de vert, de marron un peu. C'est joli. Alors, un ton comme ça, là. Celui-ci, des petits feuillages.
Voilà, effeuillage encore. Ah, les petits bonhommes de Père Noël. Les petits bonhommes de Noël et avec des sucres d'orge encore. Oh, le calendrier de l'Avent, là, trop beau. Ça fait un peu girly, je trouve. Pour une petite fille. Pour une fille. Girly un peu. Alors, là, les tons un peu de Bordeaux. Là, toujours un peu dans les mêmes tons. C'est des petits cœurs en forme de cadeau. Emballés comme des petits cadeaux. Là, c'est. Oula, c'est chargé là. Là, qu'est-ce qu'il y a dessus? Des petites voitures qui transportent un sapin, des boules de Noël, des moufles, des cadeaux en voiture. Voilà, des rennes. Voilà. Sympa. Des couronnes de Noël. Oh là, celui-ci. Alors là, ah, là, franchement, le fond. Regardez ce sapin là. Waouh, il est trop beau. Trop, trop beau. Cette boule de Noël aussi avec le petit village dedans. Ah oui, trop beau. Là, ton rose. Feuillage, ton un peu rouge, marron. Très joli. Là, c'est que des petits bonnets et que des petits moufles. Que des petits bonnets et que des petits moufles. Là, que des sucres d'orge. Un peu. C'est pas. En relief. Un peu en relief. Celui-ci aussi. Tous les petits mots sont en relief. Ah, c'est trop beau. Alors là, toutes ces découpes à faire là. Ah, j'adore cette petite voiture là. Là, le sapin, là, il est trop beau. Les petits messages sont trop beaux. L'écriture est trop belle. Voilà, c'est les tons de marron. Ça représente des petits flocons de neige. Un autre ton de marron que neutre. Rayé dans les tons de bordeaux. Un ton de bordeaux aussi. Là, c'est des petites étiquettes aussi pour marquer ses cadeaux. Ah, ils sont sympas, hein, tous ces blocs. Celui-ci, il y a aussi. Là, c'est du feuillage. Ouais. Je vais mettre le moins. Des petites rennes. On les tons de bordeaux aussi. Et voilà, on a fini pour ces blocs. Et voilà. Et bien, ça va encore faire de la place dans ma scrap room. Regardez. Ils sont lourds. Mon fils n'arrivait pas à les porter. Maman, tu prends des choses qui sont trop lourdes. Voilà. Ça fait encore du volume dans ma scrap room. Et alors, je commence à faire ma photo depuis que je dis, enfin ma photo, la photo de ma maman de mariage. Je me suis trouvé un cadre. Bon, je n'ai pas encore scrappé. Hein. Je vais scraper là tout ici. Et dans le cadre qui était fourni à Action, il y avait ces petits graminées là qu'on souffle. Hein. Et j'adore ça. J'ai dit, je vais le laisser. Je trouve ça sympa. Donc, j'ai trouvé ce cadre. Je trouve ma maman trop trop belle, magnifique là. Et là, je vais commencer à la scraper. Bon, toujours pas trouvé les dies. Je désespère. Les signes là. Et puis les petits cœurs. Bon, on va faire autre chose. Hein. Je ne trouve pas. Ah, non mais bon, voilà. Je suis contente. J'ai trouvé un cadre. Je vais le mettre dans ma scrap room. Et puis je vais le scraper. Voilà ce que je me suis trouvé. Et comme petite achat, bon, là, j'ai trouvé des petits rubans, des tons verts paillettes, voilà, des tons un peu argentés, blanc argenté, un petit assortiment comme ça. Et j'ai tombé sur ça là qui m'a bien plu, des petites décos en bois. Il y a les petits patins de glace, les petits moufles qui sont sympas. Des petits bonnets là qui sont trop choupis. Bon, il y a des petits skis et surtout une petite luge. Je la trouve trop mignonne ces petites luges. Il y avait plusieurs tons, il y avait plusieurs couleurs, toutes dans les mêmes formats comme ça. Les mêmes découpes. Il y avait plusieurs tons. Il y a des tons de rouge comme traditionnel, tons de rose, tons de. Voilà.
J'ai pris celui-ci. Et j'ai trouvé les nouveaux, parce qu'ils avaient remis, passé un temps, là, les anciens. L'espèce de kit comme ça, là, c'est de Papercraft 7. Et mais là, c'est les nouveaux cette fois. Parce ils avaient mis, j'ai vu passer sur Deo, mais c'était ceux de l'année dernière. Là, c'est les nouveaux. Et j'étais super contente. Il y a des fournis, des petits confettis flocons de neige. Alors là, il y a des tags. Bon, je ne vais pas tout ouvrir parce que tout détaillé. Quoique, faudrait bien. Là, il y a plein de stickers. De stickers. Et il y a l'air d'en avoir pas mal hein, à l'intérieur. Hein. Et plein de pages aussi. Mais les pages sont. Je sais pas le format que c'est exactement. Le format. C'est des A5 en fait. Donc en fait, il y a tout le détail là derrière. Si on voit bien. Tout en fait, ce qu'il y a dedans, c'est tout détaillé derrière. Donc j'ai pas besoin de vous l'ouvrir. Bon, il y a plein de stickers, hein. Vous voyez, il y a une, deux, trois, quatre planches de stickers, une planche de tag, des die-cuts aussi, des stickers. Non, les die-cuts c'est en haut, les stickers c'est en bas. Il y a les papiers et il y a les petits flocons de neige confetti. Alors voilà pour celui-ci. Alors il y avait ce modèle-là aussi. Donc il y a les tags, les petits papiers. Là c'est des petits nœuds en tissu qui sont fournis avec. J'adore cette fenêtre. À l'intérieur on voit qu'il fait chaud. Pour quand c'est l'hiver. Un intérieur chaleureux, cosy. Donc voilà, il y a plein de die-cuts là. Toute une série de die-cuts. Et là, il y a aussi plein de pages aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, mais il y en a qui, j'ai l'impression qu'ils sont autocollantes. Il y en a qui sont autocollantes. Des pages. Celle-ci, là, doivent être autocollantes. Ces deux. Donc voilà. Pour ce modèle-là. Et le dernier. Ma dernière trouvaille du jour. Donc c'est dans les tons aussi. Il y a un ours hivernal. Des petits villages, une petite maison dans les sapins. Il y a aussi des tags là, on les fait un peu comme ça. Des papiers. Alors si c'est des petits nœuds qui sont fournis. Des petites lanternes. Voilà, j'adore cette cheminée là. Ce feu de cheminée, c'est trop beau. Donc voilà pour l'hiver ça. Un hiver cosy, si on écrit ses mémoires, une machine à écrire. Voilà, on dit. Et aussi des papiers, aussi hivernales, des petites maisons dans les sapins. Voilà. Et à l'arrière, on retrouve tout le détail aussi de ce qu'il y a. Voilà. Pour ces papiers de Noël. Et cela, c'est les nouveaux. Il y en a peut-être d'autres. Ils ont commencé à mettre en rayon. Il y avait commencé à mettre en rayon les affaires de Noël. Donc je suis tombée dessus. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Les Scrap Addicts. Et puis je vous dis à plus pour vous montrer mes petites réalisations ou des petits hauls. Voilà, bisous, bisous, à plus!